Heureusement qu'on a pensé à aller aux urgences. Voilà comment Lou Pernot a débuté son récit. Lundi 8 août 2022, la jeune femme s'est en effet saisie de son compte Instagram pour donner des nouvelles de son ami qui a été victime d'un accident. Et cela elle ne sait dire, le drame a été évité de peu puisque cette dernière aurait pu mourir sous ses yeux. Il se trouve qu'elle avait une infection dans le genou qui s'est propagée dans toute sa jambe. Si on avait attendu 2 ou 3 jours de plus, elle aurait pu littéralement décéder parce que l'infection avait empoisonné tout son sang. Elle est à ça de se faire amputer, a révélé la fille de Jean-Pierre Pernot et Nathalie Marquet. Lou Pernot, sa meilleure amie blessée, que s'est-il passé? Agacé, Lou Pernot en a aussi profité pour répondre à ses détracteurs. Donc tous les gens qui m'ont dit que si est-il pas parce qu'elle s'est pété la jambe en sortant de boîte qu'il faut appeler les pompiers et les ambulances, bien voilà, ça vous apprendra quand on vous dit que la douleur de quelqu'un est importante a-t-elle balancé. Mais au fait, que s'était-il passé? Pour rappel, si est-il le 1er août que Lou Pernot a fait part de la catastrophe. En colère, elle avait poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux. Il y a 2 jours je suis allé au voile de cavalière, et en fait j'ai une copine qui s'est cassée le genou, qui a fait un épanchement. Nous, on est très loin de l'hôpital. On a décidé d'appeler les pompiers et les ambulances qui se sont dit que ce n'était pas un cas d'extrême urgence. Donc, pompiers et ambulances, vous attendez quoi quand on vous dit qu'il y a une personne qui est en train de vomir de douleur? Vous attendez quoi pour venir la chercher? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Si est-il super dangereux, avait-elle balancé?